Bonjour, bienvenue sur l'aboitoire du musicien.com. Je vais aujourd'hui vous présenter un nouveau bébé de chez Korg. Il s'appelle le King Korg Neo et c'est vraiment un joujou extra. En 2013 est sorti le King Korg, 5 octaves, une très grosse référence qui permettait de retrouver toute l'histoire sonore de chez Korg. Aujourd'hui sort le King Korg Neo, plus compact, 3 octaves, grande touche, mais on va retrouver la même ambiance, le même univers. En plus, un micro qui va me permettre de travailler, pourquoi pas, en mode vocodeur. Faisons maintenant un tour d'horizon sur ce King Korg Neo. Nous allons retrouver, bien sûr, les 3 oscillateurs. L'avantage de ces 3 oscillateurs, c'est que je vais avoir 3 univers sonores différents. C'est-à-dire que je peux avoir de la modélisation analogique, donc une banque qui est dédiée à cette modélisation analogique, une autre banque qui est dédiée, qui s'appelle la DWGS, qui est en fin de compte une banque d'ondes tirées des vieux synthés Korg, entre autres du DW8000, par exemple. Et la troisième banque, c'est PCM. C'est tout ce qu'on retrouve depuis bien longtemps chez Korg, tout ce qui est sonorité de M1, de piano électrique, et ainsi de suite, que j'ai aussi dedans. Ça veut dire que mes 3 oscillateurs peuvent être réunis en même temps. Et c'est là la force de ce King Korg Neo. Bien sûr, on va retrouver des filtres, par exemple un filtre du MS-20, un filtre de sonorité un petit peu OBX, et ainsi de suite. Là, tout ça est directement avec un écran dédié. La force de ce King Korg, c'est de pouvoir travailler, bien sûr, avec mes oscillateurs, mais de travailler en layer, qui veut dire que je peux dédoubler mes oscillateurs, qui veut dire que ça va me donner un son beaucoup plus fort, beaucoup plus gros. Je peux travailler en split aussi, c'est-à-dire que je peux avoir, d'un côté ou d'autre de mon clavier, une sonorité différente. Les effets vont bien sûr être patchés, suivant ce qui vous intéresse, soit à gauche, soit à droite. J'ai bien sûr des mémoires toutes prêtes, mais que je peux aussi mettre en mémoire mes propres sonorités. Thank you.
vous allez retrouver l'historique sonore dans ce King Korg Neo. C'est l'avantage de tout avoir en un. Bien sûr, très compact, qui permettra de le transporter facilement. Un 3 octaves, 37 notes, grande touche, qui vous donnera un jeu facile. Je crois qu'il n'y a plus qu'à l'essayer. Allez chez votre vendeur préféré et à bientôt.